pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Tombe, Giorgia Meloni s'est faite avoir par un canular téléphonique. Figurez-vous, la première ministre italienne a eu une longue conversation au téléphone avec deux humoristes russes et ces derniers ont prétendu être des membres de la commission de l'Union africaine. Alors, elle a parlé librement à ces deux humoristes et notamment, elle a parlé de la guerre en Ukraine. Je cite Giorgia Meloni, « Les Ukrainiens font, je cite, ce qu'ils doivent faire, ce qui est juste de faire. » Et puis, elle admet que la contre-offensive organisée au début de l'été ne se déroule pas comme prévu et n'a pas changé le cours du conflit. Giorgia Meloni admet de même une lassitude. Je constate qu'il y a une certaine lassitude et si je dois dire la vérité de tous les côtés. Le moment approche où chacun va devoir comprendre qu'on a besoin d'une issue. Et en même temps, ce samedi, Ursula von der Leyen à Kiev a rencontré Volodymyr Zelensky. Je vous propose d'écouter Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France en Russie, au micro de TF1. La contre-offensive ne progresse pas aussi vite que l'Ukraine l'espérait. Il y a des critiques aux États-Unis et donc il faut montrer qu'il y a d'une part des victoires possibles, d'autre part que la Crimée n'est pas oubliée. Voilà, vous écoutiez l'ancienne ambassadrice de France en Russie. Alors, Volodymyr Zelensky déplore aussi également que le conflit israélo-palestinien détourne l'attention du monde sur la situation en Ukraine. D'ailleurs, d'abord, je voulais revenir avec vous, Éric Denessé, sur la santé de Vladimir Poutine, parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi, hein, notamment de nombreuses rumeurs comme quoi sur son état de santé, Vladimir Poutine serait malade, il serait victime d'un cancer, de la maladie de Parkinson, il utiliserait des sosies pour le remplacer lors d'apparitions publiques. Hein, le chef de renseignement ukrainien a déclaré que le président russe était très mal en point et qu'il allait mourir très vite. Alors, le Kremlin a évidemment démenti il y a quelques jours ces rumeurs, mais qu'en est-il vraiment, justement, et comment démêler le vrai du faux dans cette propagande de guerre? Oui, alors écoutez, je ne peux absolument pas vous répondre sur le sujet. Ça fait partie de la désinformation qui émane d'un camp ou de l'autre et seul l'entourage de Vladimir Poutine a une réponse à vous apporter. L'utilisation de sosie a toujours existé dans l'histoire et notamment au cours des conflits. On se souvient des sosies de Montgomery pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains disent aux États-Unis que vu l'état de Biden dans un certain nombre de cas, on a affaire à un sosie. Je n'en sais fichtrement rien. Je crois que c'est pas vraiment. Enfin, vous avez raison de la poser, mais c'est pas une question qui a un impact en tant que tel sur le conflit parce que quand bien même Poutine aurait un sosie, ça veut dire que derrière la politique est quand même assurée, assumée et que les affaires continuent. Alors, pour ce qui est effectivement de la désinformation ou de la mésinformation, ce qu'on observe, c'est qu'il est très difficile de se faire un avis vraiment fondé sur ce conflit. D'abord, les médias français sont extrêmement partiaux, bien plus que ne le sont d'ailleurs les médias américains. Tout va dans le même sens. C'est pas nouveau. Ça fait bientôt 2 ans que tout cela dure. Ensuite, quand on s'intéresse à un certain nombre de sites étrangers, y compris américains, anglais, on a aussi des informations qui vont dans un seul sens. Il faut alors à un moment donné aller voir des sites russes ou d'obédience russe ou pro-russe qui eux-mêmes font une part de propagande et dont on ne peut pas vérifier les assertions non plus. Donc que ce soit sur le nombre de combattants décédés, le nombre de véhicules ou d'aéronefs détruits, il est assez difficile d'avoir une vision claire. Je pense que seuls les services de renseignement des différents pays observateurs ou belligérants ont quand même une perception plus précise du conflit. Mais si on s'en remet aux médias, on est obligatoirement à moitié sourd et aveugle. Donc on nous a fait miroiter hein, dans la presse une victoire plutôt rapide et prochaine de l'Ukraine par sa contre-offensive. Et là, on constate véritablement qu'il y a un enlisement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment va se terminer ce conflit. En tout cas, la contre-offensive ukrainienne, comme l'a dit Giorgia Meloni, paraît compliqué, même si donc d'un point de vue ukrainien, on dit que c'est plutôt un succès. Oui, alors là, on est dans une logique effectivement d'auto-persuasion de la part des acteurs ukrainiens ou pro-ukrainiens. Ce que disait l'ancienne ambassadrice en Russie sur TF1 hier quand même fait sourire. Dire que l'offensive ukrainienne n'a pas encore atteint ses objectifs ou ne se déroule pas aussi bien que les Ukrainiens l'espéraient est quand même quelque chose d'assez surprenant. C'est-à-dire que cette offensive est un échec et on a pu le voir dès les premières semaines. Bien évidemment, il restait un doute en disant les Ukrainiens vont multiplier les actions, mais suivi du conflit avec les éléments dont on dispose permettait de le voir beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, c'est un échec patent. Il a été reconnu par le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, dont on n'arrive pas bien à voir quel rôle il joue.
qui est, lui, dans une démarche, j'ai envie de dire, totalement messianique, ne veut pas le voir et continue à dire que son pays va gagner, qu'il faut conduire l'offensive. Alors, si on ajoute à cela, effectivement, les difficultés de fourniture des pays occidentaux pour assurer le ravitaillement en munitions des Ukrainiens et le conflit israélo-palestinien qui va remplacer pour les Américains je dirais, ce conflit, je pense qu'on est dans la... Je dirais dans l'annonce d'une défaite annoncée. Alors, après la forme que va prendre cette défaite de l'offensive ukrainienne est à observer. Est-ce que ça va être un match nul? Est-ce que les Russes vont lancer une contre-offensive? Il est beaucoup plus dur de lire la politique russe aujourd'hui, y compris sur le plan militaire, que la politique ukrainienne, qui est beaucoup plus simple à voir. Voilà, c'est un échec ukrainien. Est-ce que c'est une victoire russe? C'est encore trop tôt pour le dire. Donc, il y a eu 450 millions d'euros d'équipement de protection de carburant qui ont été financés par l'UE. En janvier dernier, l'Allemagne avait annoncé la livraison de chars Léopard. L'UE, en juin 2023, avait annoncé 60 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Et pourtant, alors que l'armée ukrainienne donc, bénéficie d'un apport technologique, matériel conséquent, pourtant, il n'y a pas eu de cette victoire. Alors, Éric de Nessé, il va y avoir de nouveau un surplus de donations d'aide de la part de l'Occident, ou alors justement, petit à petit, cette aide va mourir et puis l'Ukraine va être seule finalement dans ce conflit. Oui, parce que là, je suis d'accord avec vous, mais il faut voir l'aide occidentale à l'Ukraine finalement comme une courbe en asymptote qui aujourd'hui n'apporte plus grand-chose. D'abord parce que on le voit, les effets sur le champ de bataille ne portent plus. Les Ukrainiens sont à bout, y compris en matière de ressources humaines. Pardonnez-moi l'expression, mais ils raclent les fonds de tiroir, y compris en allant recruter dans des zones de minorités hongroises ou roumaines. D'ailleurs, ça arrange bien Zelensky par certains côtés d'envoyer au front ces gens qui pourraient, le cas échéant, réclamer une forme d'autonomie ou d'indépendance à l'égard de Kiev. Et puis, nous, Occidentaux, n'avons pas les moyens en permanence de fournir autant d'armement et de munitions que le souhaitent les Ukrainiens. Alors, ce qui se passe surtout, à mon avis, qui est important, c'est l'évolution des Américains, parce que aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Congrès, plus personne ne se préoccupe de l'Ukraine. Tout le monde est bien sûr polarisé sur la crise israélo-palestinienne, parce que les images des massacres du Hamas ont grandement choqué l'opinion américaine, bien sûr les parlementaires, notamment parce qu'il y avait des personnes âgées d'origine américaine parmi les otages. Et aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a un glissement complet. On voit l'échec des démocrates qui ont essayé de jumeler l'aide à l'Ukraine destinée à Israël. Tous les médias sont polarisés sur cette question. Un grand nombre de parlementaires sont, de manière non surprenante, très orientés contre l'Iran, qui aujourd'hui pourrait être une cible des Américains, ce qui serait une catastrophe pour la stabilité régionale. Mais derrière ça, l'Ukraine fatigue et... je me demande jusqu'à un certain point si les Américains ne sont pas ravis d'un certain côté d'avoir cette crise israélo-palestinienne, parce qu'elle va leur permettre de sortir du bourbier ukrainien dans lequel ils se sont engagés, à la fois, je veux dire, non pas la tête haute, mais finalement en ayant un sujet de substitution qui va leur permettre de sortir sans trop donner l'impression qu'ils ont connu la pantalonnade que l'on observe chaque jour. Il est grand favori pour l'investiture républicaine. Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, cherchait ce samedi en meeting à disqualifier ses adversaires pour la présidentielle à venir. Dans son viseur notamment, l'actuel président Joe Biden. Vous auriez des millions de personnes en vie à ce moment même si l'élection n'avait pas été truquée. L'Ukraine, Israël, l'attaque n'aurait jamais eu lieu. Tous ces gens seraient en vie. Les villes seraient prospères. À un an de la présidentielle, un match retour entre Donald Trump et Joe Biden est déjà annoncé. Selon un sondage publié ce dimanche, l'ancien président républicain est même en tête dans 5 swing states. La candidature de Joe Biden, 80 ans, ne prend pas. Jugé trop vieux pour se représenter, son bilan économique et sa politique à l'international concernant l'Ukraine ou le conflit israélo-palestinien notamment ne vont pas en sa faveur. Face à lui, Donald Trump n'a jamais reconnu sa défaite de 2020,
lui qui est inculpé dans une multitude d'affaires et risque même des peines de prison. Ils devront répondre sur leur manière de gouverner en tant que président des États-Unis. Actuellement, le président Biden est toujours en fonction. Mais le président Trump ne veut pas se présenter comme un outsider qui n'a pas d'antécédents et qui est en colère contre le système, car il en a fait partie. Une majorité d'Américains voudraient voir d'autres candidats faire face aux deux anciens présidents. Une opinion publique lassée par les deux grands partis traditionnels. Les deux candidats ont une cote de popularité inférieure à 50%. Donc ça sera très intéressant de voir quel sera l'impact sur les résultats. Mais à un an de la présidentielle, rien n'est fait. Avant l'élection du 5 novembre 2024, Joe Biden et Donald Trump vont devoir passer par la case primaire de janvier à juin prochain. Toute une partie des faits s'articule autour d'une société énergétique ukrainienne, la fameuse société Burisma. Hunter Biden siégeait au conseil d'administration de cette entreprise pour la modique somme $1 million par an. Et j'aimerais qu'on mette cela en rapport avec l'actualité récente de l'Ukraine et tout simplement l'arrestation du milliardaire Kolomoïski. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les implications? Parce qu'on se dit qu'il y a des implications de politique étrangère là-dedans. Mais en fait, Kolomoïski, c'était le banquier de Burisma. À la tête de Burisma, on trouve un monsieur qui s'appelle Mikolaj Slochevski. C'est celui qui a engagé Hunter. Et Slochevski, je ne dirais pas travaillait pour Kolomoïski, mais c'est Kolomoïski qui finançait en grande partie la société Burisma. Donc il y a des liens à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est des États-Unis directement, le gros problème qu'a posé cette affaire, et pourquoi est-ce qu'on parle en permanence de Burisma, c'est parce que Burisma, à une époque, donc on est, faut remonter à 2014-2015, hein, à l'époque, Joe Biden est vice-président des États-Unis, et l'Ukraine est un pays qu'ils doivent gérer et qu'ils aident, puisqu'on rappelle qu'en 2014, quand même, il y a eu l'annexion de la Crimée par la Russie. Donc, sur le plan géopolitique, les États-Unis sont très, très impliqués dans ce qui se passe en Ukraine. Et les États-Unis sont prêts à aider l'Ukraine à condition que l'Ukraine fasse certains efforts du point de vue de la corruption qui existe à l'intérieur du pays. On charge Joe Biden. Visiblement, ils n'ont pas trop de leçons à donner, quand même. Non, non, ça, c'est d'ailleurs une des ironies de l'affaire. Ce n'est pas le seul dossier dans lequel ce problème se présente. Mais Joe Biden est là pour gérer la corruption du pays, alors que son propre fils a été engagé par la compagnie qui est peut-être la plus corrompue du pays pour justement donner accès à ce monsieur aux autorités américaines pour les protéger contre la corruption. Donc il y a une sorte de billard à trois bandes où ceux qui en bénéficient, bah, c'est principalement Hunter Biden, puisque lui, il est payé au moins $1 million. C'est également la société Burisma, puisqu'elle est ainsi protégée. Et on rappelle quand même que lorsque Joe Biden s'est déplacé en Ukraine, c'était en décembre, je crois, 2015, eh bien, il a obtenu le licenciement du procureur qui, justement, enquêtait sur la compagnie pour laquelle son fils travaillait. Tout cela au nom de la politique américaine. Donc, jusqu'à quel point est-ce que cette politique a été influencée par les sommes d'argent que touchait Hunter Biden. Donc on a tout un réseau de corruption, de trafic d'influence qui s'est fait à cette époque-là et qui a duré et qui s'est étalé sur plusieurs années et qui peut avoir eu une incidence sur la politique américaine. C'est ça qui est majeur. À un an, jour pour jour, de la présidentielle aux États-Unis, Joe Biden ne part pas favori. Un sondage publié par le New York Times donne le président perdant face à Donald Trump dans 5 États clés sur 6 et en perte de vitesse auprès des jeunes comme des minorités. Les sondages publiés dimanche révèlent que le président octogénaire n'arrive pas à réduire le fossé qui semble le séparer de l'opinion publique américaine. 71% des électeurs sont convaincus que Joe Biden est trop vieux pour être un président efficace. Ils sont entre 67 et 73% à estimer que leur pays va mal. Mais pour commencer, peut-être revenons sur votre constat, la raison de votre livre et donc ce constat de prise de pouvoir. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé dans les 20 dernières années ou 30 dernières années, je ne sais pas exactement, depuis la chute du mur de Berlin, allez, où il y avait une structure de pouvoir aux États-Unis dont le rôle était dans le fond de lutter contre l'Union soviétique pour l'empêcher de progresser. C'était ce qu'on appelait en termes anglais du containment, c'est-à-dire qu'on les empêchait de progresser, on n'essayait pas, il n'y avait pas de guerre, mais on les empêchait, on les bloquait, quoi, c'était l'idée. Et puis, bon, quand l'Union soviétique est tombée, cette structure de pouvoir s'est trouvée un petit peu désemparée, un peu sans but, quoi. Par exemple, à quoi sert l'OTAN à partir du moment où l'Union soviétique disparaît, c'est une bonne question. Et ils se sont dit, bon, maintenant, on va changer d'objectif.
Maintenant, les États-Unis, comme le dit Vedrine, étaient l'hyperpuissance, la seule puissance. Donc, on va tout faire pour que les États-Unis restent l'hyperpuissance. Donc, ils ont changé d'objectif. À la place de containment, ils ont dit, on va tout faire pour rester en tête. Et ce qu'ils ont fait, ça a été assez curieux. C'est-à-dire que d'abord, ils ont fait ça en liaison avec des grandes sociétés, les GAFAM, qui permettent un contrôle tout à fait remarquable de l'opinion. Et ils ont fait ça aussi de façon assez habile par l'intermédiaire du droit. Je suis très sensible au droit. Et ils ont monté des espèces d'organisations internationales qui peuvent être des NGO, qui peuvent être des cours de justice, etc., qui étaient en dehors de chaque pays et dont la capacité était supérieure au pays. Et non élus, mais nommés par des gens qu'ils contrôlaient, plus ou moins. Prenez par exemple la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, ben, on ne peut pas régler le problème de l'immigration en France tant qu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur, je crois. Et donc, à partir du moment-là où vous créez une espèce de droit qui est supérieur au droit de chaque nation en mettant des machins comme ça à l'extérieur, vous bloquez chaque nation dans ses frontières, dans son académie. Donc, on s'est retrouvé complètement dessaisi de toute souveraineté. On n'a plus de souveraineté, on n'a plus rien. Et ça amène des blocages partout. Plus rien ne marche. Et surtout, les gouvernements élus ne servent plus à rien. C'est-à-dire que nous, par exemple, bon, on se dit, on va élire, Sarko, bon, il fait le contraire de ce qu'il avait dit, puis ensuite, on élit Hollande, bon, il fait rien, mais un peu le contraire de ce qu'il avait dit aussi. Oui. Et puis, parce que l'ennemi, c'était la finance quand même au départ avec Hollande, hein. Oui, c'était la finance qui était l'ennemi, mais enfin, ça voulait rien dire, la finance qui était l'ennemi, parce que... Enfin bref, on va pas revenir sur, on va pas tirer sur une ambulance, mais oui. ensuite on a l'archétype parfait du technocrate international un peu vendu à ces gars-là qui est Macron, qui réussit à se faire élire à la stupéfaction générale. Et donc on se retrouve dans un monde où le pouvoir n'est plus légitime, mais où il est légal. Et c'est un monde extrêmement difficile. Dans le cas manœuvré, parce que le citoyen n'a pas de recours. Il est là, et donc ce qu'ont fait les Français beaucoup, et d'autres d'ailleurs, c'est qu'ils ne vont plus voter. Politique, ce qui nous intéresse et ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est jusqu'à quel point est-ce que Joe a été complice ou a pu bénéficier des comportements de son fils. Et on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser qu'il en a bénéficié, et à partir de là, il y a une justification à écrire un livre et à ce qu'on enquête sur ce sujet. Alors justement, nombreuses de ces suspicions sont un peu éclairés par la trouvaille de ce fameux ordinateur dans des conditions un peu surréalistes. Donc le fameux ordinateur de Hunter Biden, mm-hmm. qu'il donne à quelqu'un pour le réparer, tout simplement. Absolument. Et où on trouve des éléments à foison à l'intérieur. Absolument. Alors, il y avait les éléments qui étaient connus, comme par exemple les rapports avec Burisma, parce que ça n'était pas caché. Et d'ailleurs, certaines personnes au département d'État s'en étaient plaint au moment où ces contrats avaient été signés. Mais je dirais que... En 2019, lorsque Hunter Biden dépose trois ordinateurs. Il y en a un qui est irrécupérable, il y en a un que le réparateur lui rend immédiatement parce qu'il a trouvé un moyen de donner accès à son contenu à Hunter Biden lui-même sans qu'il ait besoin d'agir dessus. Et puis il y a ce troisième ordinateur dont il va devoir faire une copie du disque dur parce que le disque dur contient un certain nombre d'informations mais qui ne sont plus sortables de l'ordinateur. Et c'est en faisant la copie de ce disque dur qu'il va découvrir des éléments invraisemblables qui sont l'avis d'Hunter Biden qui est présenté sur le bureau de l'ordinateur de manière extrêmement désordonné, où il y a à la fois des virements bancaires, des vidéos porno, enfin, tout est là. On est en 2019, donc on est à un an d'une élection présidentielle, et on est surtout à un moment où le président Trump est poursuivi, justement, en destitution pour ses relations avec le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Il y a ce fameux coup de téléphone du 25 juillet où on lui reproche d'avoir cherché à utiliser son pouvoir de président pour obtenir une forme de faveur, mm-hmm. c'est-à-dire que les Ukrainiens enquêtent justement sur les agissements du fils Biden, et le fils Biden, c'est le fils du probable candidat démocrate à la présidence. Donc il y a tout un lien ici. Et le réparateur donc de Wilmington, qui reçoit l'ordinateur d'Hunter Biden, ben, il se dit que lui, il a entre les mains tout un tas d'éléments qui sont liés à une affaire d'État extrêmement importante, puisqu'on est en train de poursuivre le président
en exercice, en destitution, à cause de ses relations avec l'Ukraine. Et lui a là des éléments qui tendraient à prouver qu'il y a une vraie corruption ukrainienne et qu'elle lie non pas le président Trump, mais plutôt la famille Biden. Les renforts américains en Israël ont nettement augmenté, avec pas moins de 53 avions de transport, des C-17 Globemaster, mais également 7 Super Galaxy, les C-5M, qui ont donc transporté du matériel militaire en Israël. Également 8 avions des Émirats Arabes Unis qui sont posés en Israël et y ont également déchargé du matériel militaire. Le porte-avions Eisenhower est actuellement dans le canal de Suez. Donc ici, actuellement, il est en train de passer le canal de Suez pour se rendre en mer Rouge. Les rebelles Houthis donc du Yémen ont déclaré la guerre à Israël et ils continuent à lancer des missiles et des drones sur l'État hébreu. Le Yémen se trouve ici et à l'ouest du Yémen avec la capitale Sanaa qui est sous contrôle des Houthis. Donc ils lancent leurs missiles et leurs drones depuis ce secteur, longe la mer Rouge et ensuite ils visent Israël. Des navires de guerre israéliens ont fait mouvement en mer Rouge afin d'intercepter ces missiles et ces drones. Donc ils sont actuellement au nord de la mer Rouge. Et d'ailleurs un missile balistique Houthi a été intercepté et détruit à 50 km d'altitude, donc au-delà de l'atmosphère, par la défense antiaérienne israélienne. Un axe routier entre la Syrie et l'Irak a été bombardé par l'aviation israélienne, donc ici exactement, et cet axe ici est donc emprunté par l'approvisionnement iranien, et notamment en direction du Liban, pour le Hezbollah. Et également, plusieurs bases militaires américaines ont été ciblées et bombardées en Irak par le Front de Résistance Islamique d'Irak. Donc les forces israéliennes continuent d'avancer dans le nord et dans le centre de la bande de Gaza. De durs combats ont lieu dans la zone urbaine, où les combattants du Hamas utilisent les tunnels pour tendre des embuscades aux unités de Tsahal. A noter également que dans ce conflit, les pertes civiles représentent plus de 90% des victimes. La situation sanitaire dans Gaza est désastreuse. Et pour vous donner une comparaison, il y a eu plus de victimes civiles en 3 semaines dans ce conflit qu'en Ukraine en 21 mois. Selon les autorités palestiniennes, 9700 personnes ont perdu la vie. Côté israélien, 1400 morts. En tout, on compte 25 000 blessés. Et les militaires israéliens ont perdu 326 hommes. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent Anthony Blinken est en tournée dans le monde arabe. Il est passé ce week-end à Ramallah, chez Mahmoud Abbas, à Amman, le roi de Jordanie, à Bagdad, escale surprise où il s'est indigné des attaques qui se multiplient contre les bases américaines, à Istanbul aussi, et son avion s'est posé finalement à Chypre. C'est à son bord qu'il a reçu le chef du gouvernement chypriote. Le président chypriote même, et tous lui réclament une trêve humanitaire. Alors, Anthony Blinken campe hein, au Moyen-Orient avec son tapis volant. Washington ne lâche pas Israël. L'engagement américain a été immédiat avec l'avenue Joe Biden. Il est vital, il est total et il exclut tout cessez-le-feu. L'envoi sur zone de 2 groupes aéronavals explique que le chef du Hezbollah, le cheikh Nasrallah, qui tient le Liban sous sa coupe, est attendu vendredi pour sortir enfin du silence et qu'il se soit contenté de maugréer des menaces plutôt qu'appeler à la guerre sainte contre l'entité sioniste. 2 armées flottantes croisent au large avec porte-avions, destroyers, croiseurs, sous-marins nucléaires. Il y a de quoi dissuader le Hezbollah et derrière lui ses protecteurs iraniens qui auraient bien aimé que la terre brûle sous les pieds des mécréants du Golfe à l'Atlantique et que les dirigeants arabes de tous ces pays basculent du côté de l'Iran dans l'axe de la résistance. Bon, il faut dire que l'Amérique ne se contente pas, Vincent, de gesticuler. Hein. Elle livre tous les jours à Israël des munitions acheminées notamment depuis ses bases au Qatar, tout ce qu'il faut pour aplatir le Hamas, du renseignement, tant et plus, des renforts en alerte, la 5e flotte qui patrouille en mer Rouge et a déjà intercepté 2 missiles balistiques tirés par les milices chiites du Yémen. Et ce retour en force des Américains a de quoi rassurer leurs alliés arabes. Ils avaient été effarés par la débandade en Afghanistan. Ils redoutaient un vide sécuritaire. Ils étaient prêts à s'en remettre à la Chine. Xi Jinping a parrainé la réconciliation de façade entre l'Arabie et l'Iran l'été dernier. Le 7 octobre a fait l'effet d'un tremblement de terre. L'Amérique est de retour et Anthony Blinken et son cheval léger. Alors, les pays arabes, pour une fois unanimes, lui ont réclamé samedi une trêve humanitaire à Gaza. Ils ont mis un mois pour l'exiger, 29 jours précisément. Ils ne sont pas pressés
Et pour cause, ils n'attendent qu'une chose, c'est que les Israéliens viennent à bout du Hamas. Ils leur laissent le temps de désosser l'organisation terroriste. L'Égypte prie pour que les frères musulmans qu'elle traque à domicile disparaissent à sa frontière. Les pays du Golfe en font autant. Tous se veulent solidaires de la Palestine, évidemment. C'est la bannière des Arabes, le symbole des injustices de l'histoire. Gaza en ruine et les Gazaouis pris au piège des bombardements électrisent l'opinion publique. Les dirigeants font mine de se rallier à cette urgence. Mais s'ils défendent la Palestine en public et en théorie, en privé et en pratique, ils détestent les dirigeants palestiniens. Blinken a été clair, il n'y aura pas de trêve humanitaire, tout juste une pause pour les otages ou pour les blessés, et encore rien n'est bouclé. Pas question de laisser le Hamas en réchapper pour préparer un déluge à l'Aqsa numéro 2, numéro 3, numéro 4, jusqu'à la destruction d'Israël, comme l'a promis la semaine dernière Ghazi Haddad, son porte-parole. Ça tombe bien, Israël n'a pas l'intention de se rendre, la tragédie va continuer pour les otages et les civils piégés à Gaza, et la tragicomédie à la tête des États. Les troupes de Tsahal poursuivent également leur encerclement de la ville pour couper l'enclave en deux. יש אזור בטוח יותר, לשם נכנס מים, אוכל, תרופות, דלק לא ייכנס. Le roi Abdallah de Jordanie a annoncé sur les réseaux sociaux que l'armée de l'air de son pays avait pu larguer une aide médicale et pharmaceutique d'urgence à l'hôpital de campagne jordanien dans la bande de Gaza. Au même moment, à Jérusalem, les habitants ont tenu une veillée nocturne en hommage aux 242 otages retenus par le Hamas. Il y a eu, vendredi dernier, le 3 novembre, il y a eu quelque chose qui a... Elle s'appelle Warda Anwar, elle est influenceuse, et sur TikTok, elle a mis ceci, elle a parlé, voilà. Et elle a parlé quoi? Elle a parlé recettes de cuisine. Bah, vous me dites recettes de cuisine, pourquoi ne parlerait-on pas sur TikTok de recettes de cuisine? Eh bien, écoutez ce qu'elle disait. Moi, il y a une chose qui me turlupine. Je vais vous donner le fond de ma pensée sans filtre. À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, s'ils ont mis du thym, ils l'ont fait revenir à quoi et ça a été quoi l'accompagnement? Vous posez pas la question, vous? Je sais pas. L'accompagnement avec ce gigot de bébé, oui, n'était qu'autre qu'une assiette de frites avec une sauce ketchup et mayonnaise. Et on l'a mariné avec du sel, du thym et avec une sauce barbecue et du paprika. Pas mal. Moi, je trouve que c'est un menu plutôt pas mal. Oui, je trouve que c'est un menu plutôt pas mal. Ça se réfère à ce qui s'est passé le 7 octobre dans les kibboutz et villages au sud de Gaza, dans les kibboutz et villages israéliens, où on aurait trouvé un bébé qu'on aurait carrément cuit dans un four. Et voilà l'humour tel qu'il se déploie aujourd'hui. Parce que je suppose que Warda Anwar a voulu faire de l'humour. Et quel humour! Vraiment, ça devient de plus en plus élevé, hein, de plus en plus haut de gamme, de plus en plus intéressant. De dire, ah ouais, ce bébé, non, mais oui, en plus le four, c'est rigolo, ça fait appel à quelques souvenirs, hein, ou quelques nostalgies, peut-être, je ne sais pas, le four. Alors, les gens ont réagi, oui, ils ont pas aimé ce côté bébé cuit au four, sauce ketchup avec du poivre, du sel, putain, voilà. Complètement isolé et victime de désinformation, en plus des bombes qui lui tombent dessus tous les soirs, Gaza résiste bon gré, malgré Gaza résiste. Peut-elle faire autrement? Lui a-t-on offert une autre solution que celle de résister? Elle se sait abandonnée par tous. Ces discours, de beaux discours, ceux qui ont tourné Kazakh et tourné le dos à la cause palestinienne, lui préférant à la proximité avec l'entité sioniste et la normalisation de la honte, même pas besoin de marchander. Pire, certains Émirats proposent honteusement des indemnités pécuniaires aux victimes du Hamas, tenez-vous bien, l'équivalent de 2 000 $. Que dire du sang versé de ces 2 500 martyrs partis, des enfants en particulier partis en martyrs? On a dit
On a dit au pharaon, qu'est-ce qui t'a rendu aussi despote? Il a répondu, je n'ai trouvé personne pour me repousser ou s'opposer à moi. Mesdames... Le secrétaire d'État américain continue sa tournée pour obtenir une trêve humanitaire à Gaza. Après avoir reçu une fin de non-recevoir d'Ankara qui accuse l'Occident d'envenimer la situation dans la région, Anthony Blinken s'est rendu en Irak. We're working very hard to make sure that the conflict in Gaza does not escalate, does not spread to other places, whether it's here, whether it's elsewhere in the region. It's important that as we're engaged in pursuing humanitarian pause, this can be something that advances the prospect of getting the hostages back. It can also advance other things that we're committed to doing. Auparavant, Anthony Blinken s'est entretenu avec Mahmoud Abbas à Ramallah. Le secrétaire d'État américain considère que le parti de ce dernier, le Fatah, pourrait jouer un rôle central dans tout gouvernement post-Hamas à Gaza. Le président de l'autorité palestinienne a d'ores et déjà déclaré qu'il n'envisageait de prendre le pouvoir dans l'enclave que dans le cadre d'une solution politique globale au conflit israélo-palestinien. Si la Maison-Blanche refuse pour le moment d'évoquer un cessez-le-feu, qui ne ferait selon elle qu'arranger les affaires du Hamas, elle a toujours appelé à des pauses humanitaires pour venir en aide aux civils et aux blessés. Mais pour cela, elle a besoin du soutien de tous ses partenaires dans la région, y compris la Turquie. De son côté, Israël affirme qu'une trêve ne sera possible que si les conditions pour la libération des otages s'améliorent. Dans plusieurs pays européens, le nombre d'attaques antisémites a été démultiplié depuis le 7 octobre. À Vienne, plusieurs agressions ont eu lieu et un groupe d'Autrichiens est soupçonné d'avoir arraché le drapeau israélien de la principale synagogue de la ville. Jüdische Schüler zum Beispiel, die dann drangsaliert werden, die für den Nahostkonflikt verantwortlich gemacht werden und gemobbt werden mit antisemitischem Hintergrund. Wir haben einiges an Sachbeschädigungen, wie zum Beispiel das Zerschlagen der Scheibe an einer jüdischen Fleischerei und das Wegrennen dieser Person arabisch schreiend oder bis hin zur Sachbeschädigung, wo ganz bewusst die israelische und nicht die österreichische Flagge runtergerissen wurde. Natürlich hat das Symbolwirkung, das schmerzt, das verunsichert natürlich auch nochmal die jüdische Gemeinde als Ganzes. Depuis le 7 octobre, les incidents antisémites en Autriche ont augmenté de 300% par rapport à la même période l'année dernière. Une augmentation similaire a lieu dans d'autres pays européens, plus de 140% d'incidents en Allemagne, 320% au Royaume-Uni. Wie andere EU-Länder auch stationiert Österreich vermehrt Sicherheitskräfte vor jüdischen Einrichtungen. Zudem fordert das Innenministerium, Messenger-Dienste wie WhatsApp überwachen zu dürfen, um mögliche Terrorangriffe zu verhindern. Österreichs Polizei habe hier EU-weit die wenigsten Befugnisse. L'organisation Palestine Solidarity Austria a déclaré à Euronews qu'elle ne considérait pas les actes contre les symboles de l'État d'Israël comme antisémites, tout en ajoutant que la communauté juive devait être protégée. Mais écoutez, ce que j'observe, c'est que finalement la situation s'est un peu retournée en matière d'information et de soutien international, à défaut, et donc contre Israël, qui n'a pas su ou qui n'a pas pu profiter finalement de l'effet de sidération qu'avaient entraîné les massacres absolument inqualifiables et innommables des membres de la branche armée du Hamas. Et la riposte extrêmement rapide à laquelle se sont livrés les Israéliens finalement a effacé presque ça d'un trait de gomme. Et aujourd'hui, tout le monde ne voit que bientôt la dizaine de milliers de morts civiles que Tsahal a fait à Gaza. Et donc, il est urgent de sortir de la crise en reconnaissant bien sûr à la fois les massacres qui ont été commis et le droit évident à l'existence de l'État d'Israël, mais aussi le droit à l'existence d'un État palestinien. Et il faut lire la presse du Moyen-Orient, la presse israélienne. Normalement, il y a beaucoup de débats au sein d'Israël sur la réponse à apporter. Je pense que ce qui est important de remarquer, c'est que cela fait depuis 1947 au moins que les États-Unis essayent de trouver une paix entre Israël et les Palestiniens, qu'il y a eu les accords du camp David, qu'il y a eu les accords d'Oslo, que Israéliens et Palestiniens se sont mis d'accord sur la création de deux États, mais que les États-Unis ont été incapables de mettre en place ces accords de paix, que nous parlons de guerre aujourd'hui, que nous parlons d'envoi de porte-avions, que nous parlons de Washington parle d'envoi de nouvelles munitions. On ne parle pas de paix. La solution aujourd'hui pour la paix entre Palestiniens et Israéliens que veulent la grande majorité des habitants de la région est une solution politique. Et nous parlons surtout de la riposte militaire et on oublie qu'il faut apporter une solution politique. Sinon, ça sera qu'un nouvel épisode. Un des deux camps va gagner, ça va durer quelques temps. Et puis, de nouveau, dans quelques mois, peut-être dans quelques années, ce sujet reviendra. Donc, il faut mettre l'ensemble des efforts sur une résolution politique
J'ai poussé un coup de gueule mercredi. Un coup de gueule. J'étais tellement énervé par l'humour de pitoyable de M. Meurice sur France Inter. Pitoyable. Comme par l'amalgame qui est fait partout entre les Français musulmans et les gens du Hamas. Bref, on veut nous entraîner dans une guerre de civilisation. Ils veulent importer en France une guerre de religion, une guerre de civilisation. C'est un drame. J'estime qu'un homme politique doit mesurer ses paroles. Monsieur Mélenchon a perdu la tête, mais d'autres aussi, à droite, sont dans l'excès. On peut être indigné des atrocités du Hamas, monstrueux, c'est monstrueux ce qu'ils ont fait. Rien ne justifie. Mais on peut être aussi indigné du bombardement de Gaza, des plus de 3000 enfants massacrés. Ce n'est pas possible d'accepter ça. Donc, je demande une trêve humanitaire. Je maintiens qu'on ne peut pas accepter ça, que ce n'est même pas dans l'intérêt d'Israël, que c'est un suicide pour Israël. Comme l'attaque du Hamas est un suicide pour le peuple palestinien. Et qu'en fait, on a deux peuples, le peuple israélien et le peuple palestinien, qui sont pris en otage par des dirigeants jusqu'aux boutistes, qui sont prêts aux pires horreurs pour aller au bout de leur cause. Mais c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Et moi, je ne tomberai pas dans ce piège. Et j'en ai assez qu'on oblige les Français à choisir leur camp. J'en ai assez qu'on oblige les Français. Alors, t'es arabe d'origine, tu dois être pour le Hamas. T'es juif, tu dois être pour Netanyahou. Ben non. Et on peut être ni juif, ni musulman, et ne être ni pour les uns ni pour les autres. Et on a encore le droit. On a encore le droit. On a encore le droit de dire aux uns et aux autres, arrêtez. Arrêtez ce combat qui va vous tuer tous. Constance, et puis aujourd'hui, on voit que l'Iran préside le Forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Oui, oui. Présidence iranienne. Bonjour Fariba Ashtroudi. Alors, Fariba Ashtroudi, expliquez-nous, vous êtes une intellectuelle franco-iranienne, vous avez écrit des livres, on vous a reçu d'ailleurs à plusieurs reprises et toujours avec plaisir pour ce que vous avez écrit, et que ce régime, et encore une fois qu'il ne faut jamais confondre avec le peuple bien sûr, que ce régime préside le Forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, vous ressentez quoi ? Écoutez, l'absurde est tellement douloureux que voulez-vous dire, mais que puis-je vous dire, sinon que bon de singer peut-être le grand homme et dire ce machin, parce que franchement il n'y a pas que cette absurdité à l'ONU. Oui, bien sûr. Je veux dire, il y en a. De Gaulle l'appelait le machin, effectivement. C'est vrai. Mais sincèrement, parce que vraiment, les résolutions ne sont jamais respectées. On ne sait pas qui vote, qui ne vote pas, qui vote, qui ne vote pas, on le sait. Mais les uns et les autres ont droit de veto. Et effectivement, ceci dit, bon, j'ai l'impression que de toute façon, on se tient par la barbichette, on donne. Ouais. C'est un roulement. C'est jamais voté. Comment peut-on voter, par exemple? Je ne sais pas comment ce système fonctionne exactement, mais c'est un roulement, donc voilà, l'Iran a le droit maintenant de couper le voilà une dissidente iranienne qui parle des problèmes de droits de l'homme en Iran, où il y a une jeune fille qui est morte il y a une semaine dans le coma. Il s'agit de l'un des projets les plus importants pour la prospérité économique des deux pays. Le Niger et le Bénin seront désormais liés par les liens sacrés du pétrole. L'oléoduc Niger-Bénin est désormais réalité. Le pipeline devant acheminer du brut du sud-est du Niger jusqu'au Bénin a été mis en service. Au total, pas moins de 6 milliards de dollars ont été investis, dont 4 milliards de dollars pour développer les champs pétroliers dans la Gadem et 2,3 milliards de dollars pour la construction de l'oléoduc, selon le gouvernement. En pleine tourmente politique, ce projet constitue pour le Niger une bouffée d'oxygène sur le plan économique. Le méga-projet d'environ 1980 km, dont 675 km sur le territoire béninois, a été confié à l'entreprise chinoise China National Oil and Gas Exploration and Development Company, la CNODC.
Cette entreprise, à son tour, a créé deux filiales pour la construction et la gestion de l'oléoduc. Il revient ainsi à la West African Oil Pipeline Company, WAPCO, au Niger et au Bénin, de construire, exploiter, entretenir et gérer ce pipeline très attendu au Niger. Ces investissements ont permis de porter la production pétrolière du pays à 110 000 barils par jour, sur lesquels 90 000 barils doivent être exportés. Officiellement, les réserves du Niger tournent autour de 2 milliards de barils et selon les projections officielles, il produira 200 000 barils par jour en 2026. En 2022, les autorités du Niger estimaient que les exportations devraient générer le quart du PIB du pays, soit plus de 13,6 milliards de dollars en 2020 selon la Banque mondiale et à peu près 50% des recettes fiscales du Niger. Ce week-end, au moins 4 personnes sont mortes lors d'une nouvelle arrivée massive de migrants aux Canaries. Mais malgré les risques, les candidats à l'exil sont toujours plus nombreux, notamment au départ du Sénégal. Les précisions de Louisa Abricht. Pour certains, cette embarcation est une simple pirogue de pêche sénégalaise. Mais pour Hassan, c'est l'espoir d'aller vers une vie meilleure. En Europe, la vie est belle. L'Europe, ce n'est pas le Sénégal. C'est pour ça qu'on veut aller en Espagne. C'est pour ça qu'on prend des bateaux et qu'on part. Comme la plupart de ses voisins, Hassan est pêcheur. Mais depuis l'arrivée de bateaux étrangers, les méthodes de pêche traditionnelles ne font pas le poids. Alors, faute de revenus suffisants, ils sont un petit groupe à avoir pris la mer sur une pirogue, direction les îles Canaries. C'était très dur. On n'avait pas de nourriture, d'essence ou d'eau. Le moteur ne marchait plus. J'ai dû boire de l'eau de mer. J'avais peur. J'ai pensé à ma mère, car ce risque, je l'ai pris pour ma famille, pour personne d'autre. Une semaine après leur départ, ils sont secourus par un bateau italien et renvoyés au Sénégal par avion. Mais Hassan, lui, compte repartir bientôt. En 2023, ils sont près de 23 000 à avoir réussi la dangereuse traversée jusqu'aux îles espagnoles. Actuellement, nous avons l'état de la mer qui est défavorable, qui est assez démonté. Là, c'est pas bon pour la pirogue. Et vous voyez, avec le navire, déjà, ça bouge beaucoup. Et imaginez avec une pirogue qui est une vingtaine de mètres, avec des personnes qui sont en nombre pléthorique à l'intérieur. Donc, c'est assez risqué et très dangereux. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire pour pouvoir les récupérer le plus rapidement possible. Des ONG alertent régulièrement sur la multiplication de naufrages meurtriers. Les bilans non officiels se chiffrent, selon elle, en dizaines, voire en centaines de morts. Alors on connaît tous la fusée Ariane, Nicolas, mais dites-nous, cette Europe de l'espace, où en est-elle ? Ah écoutez, elle est en crise hein, et c'est désespérant. Alors l'espace, c'est pourtant une nouvelle frontière technologique et économique, hein, avec de nombreuses dimensions. On doit être capable d'envoyer de plus en plus de satellites. On doit envoyer aussi des humains hein, pour l'exploration, peut-être demain pour aller chercher des minerais sur la Lune. C'est vraiment un nouvel univers stratégique et économique qui est en pleine constitution, ce que les Américains ont parfaitement compris. Hein. Bon, la NASA a beaucoup soutenu SpaceX, l'entreprise évidemment fondée par Elon Musk, qui est à la fois un prestataire de services qui envoie des satellites, comme Arianespace, mais elle est aussi un constructeur de fusées, comme Ariane Group, avec une gamme très large, hein, des modèles légers, des modèles plus lourds, une capacité à envoyer des humains dans l'espace. Et SpaceX dispose aussi de sa propre constellation de satellites hein, pour vendre, par exemple, des accès à Internet. Bon, alors, il n'y a pas que les Américains qui ont compris la dimension stratégique de l'espace. Les Indiens, les Émiratis, les Chinois investissent aussi énormément dans ce domaine. Et l'Europe, en la matière, semble avoir pris du retard. Énormément. Écoutez, au moment où je vous parle, l'Europe n'a simplement pas de fusée disponible pour accéder à l'espace. Ariane 5 n'est plus exploitée. Son successeur Ariane 6 prend retard sur retard. Alors Ariane Espace faisait aussi voler une petite fusée italienne hein, qui s'appelle Vega C, mais elle a connu des difficultés depuis l'échec d'un lancement en décembre dernier. On utilisait aussi la fusée russe Soyouz, mais évidemment c'est plus possible depuis les sanctions. Résultat Dimitri, tenez-vous bien, en 2023, SpaceX a procédé à 68 lancements. Ariane Espace à 3 lancements. Mais quelle est la cause de ce désastre ? Parce que c'en est un. Oui, bien sûr. Trois choses. Hein. D'abord, la faiblesse du soutien public européen, là où la NASA met énormément d'argent sur la table, sous forme de commande, hein, en fait. Ensuite, une règle européenne technocratique absurde, celle dite du juste retour. C'est une règle qui stipule qu'Ariane Group, qui construit donc les fusées Ariane, ne peut pas choisir ses sous-traitants ou ses partenaires comme elle le souhaite, en fonction du rapport qualité-prix. Elle doit les sélectionner dans les 27 pays de l'Union européenne en distribuant l'activité proportionnellement à ce que chaque pays met comme budget spatial, un enfer industriel. Et puis enfin, les pays européens n'utilisent pas systématiquement Arianespace pour lancer leurs satellites, mais parfois SpaceX, hein, y a un vrai problème de soutien des pays européens à l'industrie européenne. Bon, écoutez, tout
tout est à revoir dans cette organisation délirante, bureaucratique, technocratique. Enfin, j'ai peur qu'il soit tard et que l'Europe ne loupe encore une révolution technologique. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. À demain. À demain matin. Alors, n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.